bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu aveuglée par le soleil, mais il vaut mieux ça que la pluie, comment dire. Aujourd'hui, ce petit cours de hongrois va seulement vous détailler tout ce que vous n'avez pas compris dans le petit sketch que j'ai fait l'autre jour sur les poux. Et oui, la première chose que la personne dit en hongrois à l'autre, c'est « Ter tatel valamit ». Ça veut dire « Toi, t'as compris quelque chose ?»« Te, toi, er tatel, tu as compris valamit, quelque chose. » Donc, « Ter tatel valamit ». T'as compris quelque chose, toi? Nem vagyok benne biztos. Je n'en suis pas sûr. Nem vagyok. Moi, je ne suis pas benne là-dedans biztos. Sûr. Nem vagyok benne biztos. Je n'en suis pas sûr. Je crois qu'il faut que je change d'endroit parce que vraiment, je vois rien du tout. Je suis complètement aveuglée par le soleil. Nem értem mit mond. Ça veut dire je ne comprends pas ce qu'elle dit. Ou ce qu'elle ou il dit. Nem értem, je ne comprends pas. Mit mond, ce qu'elle ou il dit. Nem értem mit mond. Te tudod, hogy mi az, hogy pou. Toi, tu sais ce que c'est, pou. Te, toi, tudod, tu sais. Hogy mi az, ce que c'est. Hogy pou. Donc, le mot, enfin, ce que c'est, pou. Mit mondot, qu'est-ce qu'elle a dit? Mit mondot, qu'est-ce qu'elle a dit ou qu'est-ce qu'il a dit? Hát figyelj, én sem vagyok benne 100% biztos. Hát figyelj, ça veut dire, ben, écoute. Ou ben, fais attention. Mais dans le sens de écouter. Figyelni, c'est observer, faire attention. Oui. Bref, en français, on dirait « bah écoute ». Donc, « hát figyelj », « bah écoute ». « Én sem vagyok benne 100% biztos ». Moi non plus, j'en suis pas sûre à 100%. « Én sem », moi non plus. « Vagyok », je ne suis pas. « Benne », là-dedans. « 100%, donc 100%, « biztos », sûr. Hát figyelj, én sem vagyok benne 100% biztos. Ben écoute, moi non plus, j'en suis pas sûr à 100%. De pont a múltkor olvastam a francia leckémbe. De pont a múltkor, ça veut dire, mais justement l'autre fois. De pont, mais justement, a múltkor, l'autre fois. Olvastam, j'ai lu. Olvastam, j'ai lu. A francia leckémbe, donc dans mon cours de français. Hogy tu pu, qu'elle prononce à la hongroise, donc que tu pu, az azt jelenti, hogy büdös vagy. Donc ça veut dire que tu pu. Az azt jelenti, ça veut dire, hogy, que, büdös vagy, tu pu. Donc, hát figyelj, nem vagyok benne 100% biztos, de pont múltkor olvastam a francia leckémbe, hogy tu pu, az azt jelenti, hogy te büdös vagy. És hát, et donc, nem én mondtam, c'est pas moi qui l'ai dit, hanem ő, mais c'est elle, ő mondta, c'est elle qui l'a dit. Donc, és hát, nem én mondtam, hanem ő, ő mondta. Donc, mondani, c'est le verbe dire. Et ő, c'est elle, il. Szóval, sajnálom, donc je suis désolé. Sajnálom, c'est être désolé. Szóval, sajnálom, donc je suis désolé. De azt hiszem, hogy azt mondta, hogy a lányod büdös. De azt hiszem, mais je crois, hogy azt mondta, qu'elle a dit, hogy a lányod büdös, que ta fille pue. Donc je suis désolée, mais je crois qu'elle a dit que ta fille, elle puait, quoi. Szóval, sajnálom, de azt hiszem, hogy azt mondta, hogy a lányod büdös. És mutatta a haját.
et elle a montré ses cheveux. Lehet, hogy a haja büdös. Peut-être que ce sont ses cheveux qui puent. Donc c'est possible que ce soit ses cheveux qui puent. Donc, és mutatta a haját. És mutatta, donc et elle a montré a haját, ses cheveux. Lehet, hogy, il est possible que, a haja büdös, que ce sont ses cheveux qui puent. Lehet, hogy meg kéne mosni a haját, nem tudom. Lehet, peut-être, hogy, que, meg kéne, il faudrait, mosni, laver, a haját, ses cheveux, nem tudom. Je ne sais pas. Donc, lehet, hogy meg kéne mosni a haját. Peut-être qu'il faudrait lui laver les cheveux. Nem tudom. Je ne sais pas. Na ne, hogy mondhatnak a gyerekemről egy olyat, hogy büdös? Nem büdös. Na ne, mais non. Hogy mondhatnak, comment est-ce qu'ils peuvent dire a gyerekemről, de mon enfant, egy olyat, une chose comme ça, hogy büdös, qu'elle pue. Nem büdös. Elle ne pue pas. Donc, na ne, hogy mondhatnak egy ilyet a gyerekemről, hogy büdös? Nem büdös. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent dire quelque chose comme ça de mon enfant, qu'elle pue? Elle ne pue pas. Ou qu'elle sent mauvais, pour être plus correcte dans la langue française. Et à la fin, l'autre, elle fait... Lehet, hogy igaza van. Peut-être qu'elle a raison. Lehet, c'est possible, peut-être. Hogy... que igaza van, qu'elle a raison. Donc, lehet, hogy igaza van, c'est possible qu'elle ait raison. Voilà, j'espère que ces explications vous auront rendu la chose un petit peu plus limpide par rapport à cette vidéo sur laquelle j'avais mis aucune explication, je n'avais rien dit. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour un nouveau cours de hongrois. Ciao, bye bye. Bonjour madame. Ah bonjour madame. Écoutez, on s'est rendu compte à l'école que votre fille avait attrapé des poux. Pardon? Moi, je pas comprendre. On s'est rendu compte à l'école que votre fille avait attrapé des poux. Tertatil volamit. Non, voyons ben la bistoche. Pardon madame. Moi, je pas comprendre, pas comprendre. Nem értem, mit mond. Attrapé. Te tudod, hogy az mi, hogy pú? De pú? Oui, oui, madame. Attrapé, oui. De pú. Attrapé, oui. De pú. Pú. Pas bien. Pas bien. Mit mondott? Hát figyelj, én sem vagyok benne 100% biztos, de pont a múltkor olvastam a francia leckéimbe, hogy tu pu, az azt jelenti, hogy te büdös vagy, bocs, és hát nem én mondtam, hanem ő mondta. Szóval sajnálom, de azt hiszem, hogy azt mondta, hogy a lányod büdös. És mutatta a haját, lehet, hogy a haja büdös, lehet, hogy meg kéne mosni a haját. Nem tudom. Na ne, hogy mondhatnak egy ilyet a gyerekemről, hogy büdös? Nem büdös! Lehet, hogy igaz.